Moi aussi, j'ai une histoire étrange. Tellement étrange qu'elle est devenue l'obsession de ma vie. Voici 56 ans que l'histoire m'est arrivée et il ne se passe pas un mois sans que je la revoie en rêve. Cette histoire m'a laissé dans le cœur une marque, une empreinte de peur. Me comprenez-vous ? J'ai subi l'horrible épouvante pendant 10 minutes, de telle façon qu'une effroyable épouvante m'est restée dans l'âme. Les bruits inhabituels me font tressaillir jusqu'au cœur. Les objets que je distingue mal dans l'ombre du soir me donnent l'envie de me sauver. J'ai peur. La nuit, j'ai peur. Oh, je n'aurais pas raconté cette histoire si je n'étais arrivé à l'âge où je suis aujourd'hui. Maintenant, je peux tout dire. Il m'est permis de n'être pas brave devant les dangers imaginaires quand on a 82 ans. Mais devant les dangers réels, mesdames, je n'ai jamais reculé. Cette histoire a jeté en moi un trouble si profond, si mystérieux, si épouvantable, que je ne l'ai jamais raconté. Je l'ai enfoui au fond de mon âme. Dans ce fond où l'on cache les secrets honteux, les secrets mystérieux, ces inavouables choses que l'on ose dans l'existence. Je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle. Sans rien chercher à expliquer, bien qu'elle soit tout à fait explicable, c'est certain. Mais non, je n'étais pas fou et je le prouverai. Imaginez ce que vous voulez, ce que vous voudrez. Voici donc. Nous sommes en 1827, au mois de juillet. Je suis à Rouen, en Guernesey. Mais si ce n'est pas ce bon vieux Guy, c'est moi, le marquis de la Tour Samuel. Que t'est-il arrivé, mon vieux? Tu as tellement vieilli depuis la dernière fois où nous nous sommes rencontrés. Marquis, c'est toi. Pardonne-moi de ma rêvasserie, mais un malheur s'est abattu sur moi. Un grand malheur. Soyons-nous, mon ami. Que t'est-il arrivé de si terrible? Il y a 2 ans de cela, je rencontrais une femme avec qui nous tombions follement amoureux. Nous nous sommes épousés dans une extase de bonheur, hélas. Après 1 an de félicité surhumaine, elle s'est éteinte subitement d'une maladie du cœur. Depuis le jour de son enterrement, j'ai quitté mon château pour m'installer dans un hôtel de la ville. Depuis, je ne songe qu'à me donner la vie. Puisque je te retrouve ainsi, je te demanderai un grand service. C'est d'aller chez moi. Dans le secrétaire de ma chambre, de notre chambre. Quelques papiers où j'ai un urgent besoin. Je ne puis charger de ce soin d'un subalterne ou d'un homme d'affaires. Car il me faut une impénétrable discrétion et un silence absolu. Quant à moi, pour rien au monde, je ne rentrerai dans cette maison. Je te donnerai la clé de cette chambre que j'ai fermée moi-même en partant. Mais viens déjeuner chez moi, et nous causerons de cela. Bien entendu, je peux bien te rendre ce léger service, mon ami. À demain. Ce n'était qu'une promenade pour moi. Son domaine se trouvant à 5 lieues de Rouen, je n'en avais que pour 1 heure à cheval. Excuse-moi, mon ami. Je
suis vraiment perdu. La seule idée de te voir passer dans cette chambre me bouleverse. De balabre. Je voudrais que tu fasses quelque chose. Que tu ailles dans mon secrétaire, un premier tiroir. Prendre deux paquets de courrier. Une liasse de papier. Et voici la lettre que tu remettras au jardinier. Tu n'y jettes pas un œil. Comment cela peut-il te traverser l'esprit que j'oserais y jeter un regard? Nous nous connaissons depuis assez de temps pour que cela ne se demande. Pardonne-moi, mon ami. Je souffre trop. Il se mit à pleurer. Je le quittai vers 1 heure pour accomplir ma mission. Vous devez le savoir, puisque vous avez reçu là-dedans les ordres de votre maître. Je veux entrer dans ce château. Alors vous allez dans sa chambre? Parbleu, est-ce que vous auriez l'intention de m'interroger par hasard? Mais non, monsieur, elle n'a pas été ouverte depuis sa mort. Si vous voulez bien attendre 5 minutes... Ah ça, voyons, vous fichez-vous de moi? Mais non, pas du tout, monsieur. Vous n'y pouvez pas entrer, puisque voici la clé. Mais monsieur, c'est compliqué. Maintenant, taisez-vous, n'est-ce pas? Ouvrez-moi la porte, vous aurez affaire à moi. Bien, monsieur. Je t'en prie. Mais que se passe-t-il ici? Raymond, où va cet homme? Cet homme va dans la chambre de feu, la femme de Monsieur Guy. Et personne n'y a mis les pieds depuis que... Laissons-le, il a l'air de savoir ce qu'il fait.
que je faillis tomber à la renverse. Personne ne peut ressentir ce que c'est sans avoir ressenti, sans avoir eu ces épouvantables sensations. L'âme se fond, on ne sent plus le cœur. Le corps devient mou comme une éponge et on a l'impression de s'écrouler de l'intérieur. Je ne crois pas aux fantômes. Eh bien, j'ai défailli sous la hideuse peur des morts. Et j'ai souffert, oh souffert, à cet instant plus que dans toute ma vie, dans l'angoisse irrésistible des épouvantes surnaturelles. Si elle n'avait pas parlé, je serais mort peut-être. Mais elle parla. Elle parla d'une voix douce, douloureuse, qui faisait vibrer les nerfs. Je n'oserais pas dire que je redevins maître de moi et que je retrouvais la raison. Non, j'étais éperdu, à ne plus savoir ce que je faisais. Mais cette espèce de fierté intime que j'ai en moi, un peu d'orgueil du métier, bien évidemment, aussi, presque malgré moi, me donnait une contenance honorable. Je posais pour moi, pour elle sans doute, pour elle, quelle qu'elle fût, femme ou spectre. Je me suis rendu compte de tout cela bien plus tard, car je vous assure que dans l'instant de l'apparition, je ne songeais à rien. J'avais peur. Oh monsieur, vous pouvez me rendre un grand service. Voulez-vous? Vous pouvez me sauver, me guérir. Je souffre affreusement. Je souffre, je souffre. Voulez-vous? Peignez-moi. Oh, peignez-moi, cela me guérira. Il faut qu'on me peigne. Regardez ma tête, comme je souffre, et mes cheveux comme ils me font mal. Pourquoi ai-je fait ceci? Pourquoi ai-je reçu en frissonnant ce peigne? Pourquoi ai-je pris dans mes mains ces cheveux longs qui me donnèrent une impression de froid atroce, comme si j'eusse manié des serpents? Je ne sais pas. Merci. Ayant jeté la bride à mon ordonnance, je me sauvais dans ma chambre pour y réfléchir. Alors, pendant une heure, je me demandais anxieusement si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Certes, j'avais eu de ces incompréhensibles ébranlements nerveux, un de ces avolements de cerveau qui enfantent des miracles à qui le surnaturel doit sa puissance. Et j'allais croire à une vision, à une erreur de mes sens, quand je m'approchais de ma fenêtre, mes yeux, par hasard, descendirent sur ma poitrine. Puis j'appelais mon ordonnance, je me sentais trop ému, trop troublé, pour aller à ce moment-là chez mon ami. Je lui fis porter ses lettres, dont il me remit un reçu par le soldat. Les liens sont bien été remises à votre ami. Néanmoins, il se pose beaucoup de questions sur votre état de santé. On raconte que vous êtes souffrant. Il est même inquiet. Souhaitez-vous que je transmette de vos nouvelles? Ne vous en faites pas, je vais mieux. Je me rendrai demain dès l'aube chez lui pour lui transmettre mon état de santé. Bien entendu, monsieur. Je me rendis chez lui le lendemain, dès l'aube, résolu à lui dire la vérité. Il était sorti la veille, au soir, il n'était pas rentré. Je revins dans la journée. Il n'était pas reparu. Je laissais passer une semaine. Il ne réparait pas. Alors je prévins la justice. On le fit chercher partout sans découvrir une trace de son passage ou de sa retraite.
Une visite minutieuse fut faite au château abandonné. On n'y découvrit rien de suspect. Aucun indice ne révéla qu'une femme y fut cachée. L'enquête ne donnant rien, les recherches furent interrompues.